une belle visite au village des Wendake, près de Québec. En fait, voici notre guide Daniel qui nous a fait part de toute l'historique des Hurons. Ils sont partis du lac Huron parce qu'ils avaient été massacrés par les Mohawks. Environ plus de 3000 ont été tués. Il y en a 300 environ qui ont réussi à s'échapper et à s'installer dans la région de Québec. La très belle île d'Orléans, un véritable paradis pour les cyclistes. Jacinthe qui est très fière de ses origines. En fait, son ancêtre, Médéric Blouin, est arrivé à Québec, à l'île d'Orléans, en 1667. Sur le monument, on indique qu'il est originaire de Luçon. Pas tout à fait exact, c'était Saint-Étienne de Luçon. Pour supporter le difficile, inutile. Il y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles. Pour oublier grandes blessures dessous l'armure. Été, hiver. Mais quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci, philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Oui, c'est notre credo. C'est quoi un credo? C'est pour pas le vieux credo. Méchant, honnête. Les deux mots régleront tous tes problèmes. Oui. En Pumba, par exemple. Eh bien, ce très jeune facochère. J'étais jeune et facochère. Ça va aller? C'est chargé en émotion. Un jour, quelle horreur, il comprit que son odeur, au lieu de sentir la fleur, soulevait les cœurs. Il y a dans tout cochon un poète qui sommeille. Quel martyr, quand personne ne peut plus vous. Là, tu me fais mal, Pouf. Moi, j'ai toujours été là pour toi. Disgrâce, femme. Disgrâce, femme. Guérons de mon âme. Oh, ça pullera. Je déclenche une tempête chaque fois que je pète. Ah, Timon, d'habitude, tu m'arrêtes? Non, ça sert à rien, ça fait 100 fois que je te le répète. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata,